Sur mon répondeur, c'est à vous. Salut, Major Danville, c'est ton épouse. T'en fais pas, j'arriverai à temps pour la cérémonie. Il est faux. Tiens, au fait, tu te rends compte que ça fait 5 ans qu'on est mariés? Quoi? Et ce sera nos premières vacances ensemble, je suis impatiente d'y être. Bonjour, je viens pour la cérémonie du trophée Collier ou un truc du genre. D'accord, madame. Mon papier? Tout de suite. Lockheed des 22 Raptors, mon avion préféré. Sacré petit jouet que vous avez là. Oui, madame. Pardon. Désolé, mesdames. Je sais que c'est très impoli, mais il y a urgence. Faut pas se gêner, surtout. Alors, ça va, les filles? Ces travaux au sein de la Fédération Nationale Aéronautique qui lui ont permis de mettre au point le moteur supersonique le plus fiable et le plus révolutionnaire de sa génération. C'est pourquoi j'ai le privilège de remettre à Jason Danville le prestigieux trophée Robert T. Collier. Merci, mesdames et messieurs. Je voudrais remercier le général Linford, ainsi que la Fédération Nationale Aéronautique. Mais en premier, je tiens à remercier ma femme, Sally. Je me souviens de l'époque où je n'étais pas encore ingénieur, mais simple pilote. D'ailleurs, il m'est souvent arrivé de présenter ce genre d'oiseau dans les meetings. Entre nous, on plaisantait en disant qu'on n'était pas dans l'aviation, mais dans le show business. Et vous connaissez la règle d'or du divertissement. Rien ne vaut l'image. Oh, je rêve de ces vacances. On va bien en profiter. Ouais. En plus, c'est un site de plongée réputé pour ses fonds coralliens qui sont de toute beauté. J'y suis allé qu'une fois quand j'étais gamin, mais j'en ai gardé un souvenir tellement fort que ça m'a obsédé pendant des années. Non, je t'assure. Je n'en doute pas une seconde. Allez. Tahiti, nous voilà. Bon, j'espère que t'es prête au moins. Oui, je suis prête. Enfin, presque. C'est vrai, ça? Oui, donne-moi 3 secondes. On va s'éclater. 3 secondes, hein? Ça marche. Enfin, peut-être un peu plus. Tu sais comment c'est? Oui, je sais, ça fait 5 ans que je te pratique. C'est mon cas. Encore de la pub, ne réponds pas, on n'a pas le temps, on s'en va. Allô? Je suis prêt. T'as fini? Sally.
Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Qu'est-ce qui se passe? Oui, merci infiniment. C'est très aimable à vous. Oui. Oui, oui, bon vol à vous aussi. L'assurance prend tout en charge. Il suffit d'utiliser les billets pendant l'année en cours. C'est comme si je venais de perdre ma sœur. C'était ma plus vieille amie, celle qui m'a donné envie de chanter. C'est peut-être dû à un problème technique, au brouillard, aux turbulences, personne ne sait. C'est la jungle. La jungle? Oh, c'est une expression. Vous savez, la jungle africaine. Le genre d'endroit où il est absolument impossible de mener... L'important, c'est que personne n'a survécu. Ok. C'est pas faux. Scott va vous expliquer tout ce qui est du domaine juridique, et moi, je suis là pour répondre à toutes les questions d'ordre pratique. Oui, d'accord, mais... je comprends pas de quoi il s'agit, ni en quoi ça nous concerne. Teresa et Frank avaient adopté 3 enfants, en plus de leur fille. Ils les emmenaient en mission humanitaire avec eux. Attendez, vous n'allez pas nous demander ce que je pense, n'est-ce pas? J'ai ici une copie certifiée de leur testament. Et comme vous pouvez le constater, votre nom y figure. C'est bien vous. Oui, mais vous savez, ça fait des années que je ne l'ai pas vu. Ça remonte à il y a tellement longtemps. Ça finit avec 2 ans. Tous leurs proches ont été contactés. Personne ne peut prendre les enfants. Frank était fils unique. Toute sa famille est décédée. La sœur de Teresa est en mission en Afghanistan. Il ne reste que vous. Si Teresa a demandé qu'on vous confie les enfants en cas de malheur, c'est que visiblement, elle vous faisait confiance. Nous respectons sa volonté. Non, excusez-moi. Dorothy, c'est ça? Oui. Votre orphelinat doit être débordé, mais ça fait beaucoup à encaisser en une seule journée. Je suis vraiment très... Je travaille à la protection de l'enfance. Je ne m'occupe pas seulement des orphelins. Je vous ai donné une brochure. Oh oui, j'avais oublié. Écoutez, je vais être honnête. Tessie était ma meilleure amie. J'aurais fait n'importe quoi au monde pour elle, mais... aujourd'hui, je ne me sens pas du tout prête à être mère. Et je ne crois pas que Jason ait envie d'avoir des enfants. On n'est pas fait pour ça. On travaille. On a nos carrières, on part aux quatre coins du monde. D'ailleurs, on a à peine le temps de se croiser. Pour nous, les enfants, c'est... non, c'est pas une option. Pas une option? Ouais, vous m'avez compris. En plus, je suis archi nulle en cuisine. Demandez-lui. Je suis pas une femme d'intérieur. J'ai horreur de m'occuper de la maison. Et je ne connais rien aux enfants. Moi, c'est pareil. Et on ne va pas vous obliger à les prendre. Pas si vous n'en avez pas envie. Dans ce cas, on en reste là. Et je suppose que vous ne tenez pas non plus à leur dire quelques mots. Parce qu'ils sont ici. La petite Jordan? Ils sont arrivés d'Ouganda il y a 2 semaines. Pour l'instant, ils sont en foyer d'accueil. Ok, je vois. Donc pour vous, c'était une histoire réglée, n'est-ce pas? On repartait avec eux. Eh bien, pour vous dire la vérité, oui. Ainsi que votre ami en avait exprimé le souhait. Vous pourriez nous laisser quelques minutes, le temps que je discute en privé avec ma femme? Bien sûr, je vous en prie. Waouh! Je réalise toujours pas. C'est l'heure. J'arrive pas à croire que c'est vrai. Moi non plus. On peut pas. Non. 4 gamins, c'est impossible. On pourra jamais s'en sortir. De l'inconscience pure. Mais c'est horrible de les abandonner dans un foyer. Dans ce cas, je sais, il y a peut-être une solution. Laquelle? Quoi? Écoute, on n'a qu'à... ils n'ont personne. Ce sont des enfants. T'as raison, sinon on va culpabiliser, mais on n'est pas obligé de tout accepter. Ok, alors... peut-être qu'on pourrait proposer de les héberger. Je sais pas... Juste pour quelques temps. Oui. En attendant qu'on leur trouve une famille vrais parents pour les accueillir. Adoptifs. Voilà, une vraie famille. En tout cas, ce sera toujours mieux que d'être placé dans un foyer. Oui, sans aucun doute. Enfin, j'espère. La grande, c'est Jordan? C'est une jeune fille très intelligente, mais qui n'a pas souri une seule fois depuis son arrivée ici. Ce qui n'a rien d'étonnant. La petite dernière, c'est Sung Lee. Elle a été adoptée en Chine quand elle avait 1 an. À côté d'elle, c'est Javier, 15 ans. Il vient du Guatemala, où il s'est retrouvé à la rue à l'âge de 3 ans. Teresa et Frank l'ont recueilli il y a 5 ans. L'autre garçon, c'est Caleb, adopté en Ouganda quand il avait 4 ans. Jordan, salut. Je m'appelle Sally. Je suis désolée pour tes parents. Merci. J'aimais énormément ta mère. Vous aussi. Salut. Salut, moi c'est Caleb. Bonjour Caleb, je m'appelle Sally. Ravie de te rencontrer. Bonjour. Bonjour Sung Lee. Je m'appelle Sally. Ta maman et moi, on était très copines.
moi c'est Jason. Je te présente Javier. Enchanté, Javier. Bonjour. Ravi de faire ta connaissance. Toi, tu dois être Jordan. Je m'appelle Jason. Bonjour. Bonjour. Et ce petit voyou doit être Caleb, hein? Je suis pas un voyou, monsieur. Je m'en doute, ne le prends pas mal, c'était qu'une façon de parler. Bon. Vous allez tous venir habiter chez nous. Qu'est-ce que vous en dites? Ça vous plairait? Oui. Chérie, comment ça se passe le montage des lits jumeaux? Ça roule. J'ai fabriqué un moteur supersonique, alors c'est pas un lit qui va me résister. Oui, t'as raison. Rien ne peut nous résister. Jamais on va y arriver. Une semaine avec quatre gamins, mais ça va être un cauchemar. Je sais même pas comment ma mère a fait pour m'élever. À l'époque, je me posais pas de questions, je trouvais ça normal. Je m'intéressais à rien d'autre qu'à moi-même. Mais je sais, moi c'est pareil. Je voulais devenir pilote et en dehors de ça, rien d'autre ne comptait. Ça doit être les gamins. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, bonjour Dorothy. Salut tout le monde, ça va? Très original comme déco. Ça surprend toujours quand on arrive ici la première fois. En fait, c'est mon studio. Les pièces de vie sont en haut. Ah. Merci, Tante Sally. Tante Sally? C'est une coutume africaine. Les enfants appellent tous les adultes tante et oncle. Pourquoi ça siffle? Oh, attention chérie, c'est pas un jouet. Allez, viens. Descends. Pas la peine de crier. Bien, si on montait à l'étage, je vais t'aider à porter tes affaires. Allez, prenez vos sacs et suivez-moi, d'accord? Bonne installation. Au revoir, Dorothy, et merci encore. Je t'en prie, c'est normal. Alors avant de partir, il faut que je vous laisse leur papier d'identité, leur visa, sans oublier leurs dossiers médicaux, ainsi qu'une brochure informative sur l'Ouganda. Ça pourra m'être utile. Qu'est-ce que tu fais? Une mixture à base de jus de fruits, communément appelé un smoothie. Même si la situation n'est que temporaire, c'est important que les enfants reprennent une scolarité le plus rapidement possible. C'est pourquoi j'ai inscrit les deux petits dans une école élémentaire et les deux grands dans un lycée de votre zone. Génial. Non, moi je veux pas ce truc-là. Oh, t'as tort. C'est délicieux, en plus c'est très bon pour la santé. Juste pour que ça soit clair, avec Jason, on n'est pas du tout branché enfant. On veut surtout pas que les petits s'attachent, donc plus vite vous leur trouverez une famille adoptive, mieux ce sera. Comme vous vous en doutez, ce ne sera pas facile de parvenir à les placer ensemble, mais j'ai quelques pistes, donc je vous tiens au courant. Bonne chance, merci. Je vous en prie. Ça suffit. Reviens t'asseoir. Eh bien, voilà un jeu qui a l'air intéressant et que je n'avais jamais vu. Comment ça s'appelle? Omwezo. Le jeu traditionnel le plus populaire d'Ouganda. Comment ça se joue? C'est chacun son tour. Le but, c'est de ramasser toutes les graines. C'est facile. Moi, ça m'a l'air compliqué. Je gagne à chaque fois. Ça, c'est parce que les parents te laissaient gagner. Sale menteur! Tu parles pas comme ça à ton frère. Je vais ramasser. Écoutez-moi, les enfants, je pense que vous devriez aller vous installer. Pendant ce temps, Jason et moi, on pourrait peut-être en profiter pour vous faire quelque chose à manger. Moi, j'ai une bien meilleure idée. On n'a qu'à commander des plats tout faits. D'accord. Si tu veux un coup de main en cuisine, je peux t'aider. Non, pas la peine. On va plutôt commander une pizza ou alors du chinois, du Tex-Mex. À vous de nous dire ce que vous voulez. Dorothy nous a dit que tu détestais faire la cuisine. Elle vous a dit ça? Moi, j'adore faire à manger pour toute la famille. Si tu veux, je m'en occupe. Et moi, je t'aiderai. C'est la tradition. Chez nous, les femmes travaillent ensemble à la cuisine.
D'accord, mais maintenant tu es en Amérique et les traditions du style la cuisine réservée aux femmes, c'est assez mal vu. En plus, les temps ont changé et les hommes aussi font la cuisine de nos jours. D'accord, d'accord. Allons-y. Bien sûr, c'est une excellente idée. Bienvenue, messieurs, nous y sommes. Voici votre QG. Il y a une petite salle d'eau ici avec douche et vous avez des lits jumeaux. Qui veut celui du haut? Moi. Tu prends celui du bas? Mm-hmm. Ok. Bon, eh bien, c'est réglé. Sinon, vous pouvez utiliser tout ce qu'il y a ici, à savoir le vélo d'appartement, la télé, avec la boxe et les jeux d'hiver et variés. Je vous demande juste d'y aller mollo et de faire attention parce que cette pièce est aussi mon bureau. Donc, évitez de tout casser. T'as envie d'y jouer? Je sais pas ce que c'est. C'est un baby-foot. Qu'est-ce que c'est? Un baby-foot? Le baby-foot, c'est le jeu de table le plus populaire de tout le pays. On se fait une petite partie? Tu veux lequel? J'aime bien celui-là. Oh! Fais attention! J'en mets un jeu, vous êtes prêts? Oh! Bien joué! Bon, allez. Non! Oh! Oh! Ouais. Alors, Caleb, ta chambre te plaît? Ouais, elle est cool! Il y a plein de jeux! Le baby-foot, c'est génial! Je suis même plus doué que mon frère, alors qu'il raconte partout que c'est lui le meilleur footballeur du monde! J'ai jamais dit ça! Si, tu l'as dit! Ça suffit, vous deux. Bon, eh bien, je vous propose d'attaquer cette magnifique omelette. On dit pas d'abord une prière? Si, pourquoi pas, bien sûr. Mais oui, très bonne idée. Nous t'écoutons. Seigneur, préserve-nous du mal qui nous entoure. Et accueille papa et maman dans ton royaume. Nous te remercions pour ce repas que tu nous offres et qui nous permet de t'honorer quotidiennement. Amen. 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 Allez hop, Holly. Bonne nuit et à demain. C'est quoi ça? Ça, c'est mon boulot. C'est quoi comme travail? Je conçois des moteurs d'avion. J'adore les avions. Moi aussi. Non, t'aimes pas ça. J'adore les avions. T'as peur en avion. C'est pas vrai. Les garçons, si, c'est vrai, t'as la trouille. Ça suffit maintenant. Vous dormez, ok? Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, oncle Jason. Bonne nuit. Je peux avoir un raconte-moi, s'il te plaît. Raconte-moi quoi? Attends, je vais le faire. Non, non, te dérange pas. Laisse, je vais le faire si tu me dis ce que c'est. Une histoire vraie, une anecdote. N'importe quel truc qui t'est arrivé. Ok. Alors, à toi de dire ce que tu veux que je te raconte. Je voudrais une histoire sur maman et toi quand vous étiez amis. D'accord. Tu sais, quand j'ai rencontré ta maman, c'est devenu ma meilleure amie. D'ailleurs, on passait notre temps à chanter. On chantait dans les hôpitaux pour aider les enfants à guérir. Seulement, ta maman avait de drôles d'idées. Et c'est comme ça qu'on a chanté dans un zoo. Qu'est-ce que c'est un zoo? C'est une sorte de parc, avec plein d'animaux sauvages des quatre coins du monde. Et on a appris qu'il y avait un petit zèbre qui était malade. Alors ta maman a dit, et si on allait chanter pour lui? Ça, c'est très gentil. Mais ta maman était très gentille. Elle adorait les animaux et particulièrement les zèbres. C'était son animal préféré. On est allé devant son enclos et on lui a improvisé une petite chanson. Je m'en souviens encore. Zèbre, 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 mange ta bouillie. Zèbre, zèbre, et tu seras guéri. Et le lendemain, le directeur du zoo nous a appelés pour nous dire que le petit zèbre allait mieux. Il a dit que c'était miraculeux et que ta maman avait un don magique avec les animaux. Pas qu'avec les animaux, d'ailleurs.
Je sais, ma chérie. Elle est partie au ciel. Mais elle reviendra me voir. Et même que je lui ai fait un beau dessin. Tu veux que je te le montre ? Il est magnifique, ton oiseau. C'est parce que j'aime ma maman très fort. Qu'est-ce que tu regardes ? Bah viens, tu verras. Tu devrais pas y toucher. C'est pas ton ordinateur. Regarde. Hé, hey, c'est notre école. Remets-la, remets-la. Tais-toi. Chut. Alors, petit frère, c'est qui le meilleur joueur de foot de tous les temps? C'est toi le meilleur. De toute l'histoire du foot? De toute l'histoire du foot du monde entier. Chut. Laisse-moi voir. Chut, chut, chut. Et ça? Ça te rappelle rien? Bonjour, petite marmotte. Bonjour. Puis je pense à un truc. Faut qu'on aille à l'école. Tu veux retourner à l'école? Non, pas pour moi. Les enfants, il faut qu'on les emmène. C'est vrai, c'est nous de les emmener. J'aurais dû m'en douter. Et puis, il y a tout le reste aussi. Ils mangeaient quoi le matin chez eux? Ils boivent froid au petit déjeuner, du café ou bien c'est illégal? Je sais pas, qu'est-ce qu'on leur donne? Je leur ai fait du jus d'orange. Ça te fait rire. Tu me laisses partir en vrille alors que t'as déjà tout préparé. Très drôle. Voilà la bête. C'est bien les voitures anciennes? Oui. Attention les yeux. Sympa, ça doit bien carburer. Allez, tout le monde à bord. Et n'oubliez pas de mettre votre ceinture. Oncle Jason, tu me laisseras la conduire un jour? Tu connais les boîtes manuelles? J'en conduis depuis l'âge de 8 ans. Clay, ça va? Alors chérie, il paraît que t'as cartonné au Milwaukee. Ouais, on a fait un concert de folie. Génial. Je rappelle parce que j'ai un gars qui a proposé Marty. Il est rigolo le chien sur la photo. Non, t'as la gosse en ce moment, faut en profiter. J'ai même fait écouter ta chanson à Itzy qui l'a trouvée fantastique. Écoute, j'ai des nouvelles obligations et je suis pas sûre de pouvoir. Comment ça? Quelles obligations? Oui, c'est un peu compliqué. Je peux t'en parler plus tard, là j'ai pas le temps. D'accord, j'attends ton appel. Ouais, c'est cool, merci. Bisous. Oh, les enfants, promettez-moi de ne jamais accepter un boulot où vous serez obligés de travailler avec un agent. On doit trouver un travail maintenant? Mais non, je voulais dire après. Et de toute façon, les enfants n'ont pas le droit de travailler ici. Ok, tante Sally. Un problème? C'est immense comparé à notre ancien lycée. Ça paraît tellement grand. C'est le pays de la démesure. Ceux qui pensent petit, vous pouvez rentrer chez vous. Ça veut dire quoi, ça? Non, c'est pas à prendre au pied de la lettre. C'est juste un dicton un peu idiot pour dire que... Bon, si on y allait plus tôt. Je m'appelle Jordan Solarte. Je suis née aux États-Unis, mais j'ai passé les 11 dernières années de ma vie dans un tout petit village à côté de Kampala. C'est la capitale de l'Ouganda. Je vois que ça ne vous dit rien. L'Ouganda est un territoire continental de... l'Afrique de l'Est. Le truc que je préfère depuis que je suis en Amérique, c'est le baby-foot. Ouais, c'est trop marrant comme jeu. C'est là qu'est né Majid Musisi, le plus grand footballeur du monde.
C'est le pays dans lequel j'ai grandi et je me souviens... De la guerre, des réfugiés, des hôpitaux de campagne, la pauvreté, la misère, la famine, le choléra... Quand j'ai dû attraper un poulet... Mais j'ai vraiment aimé cet endroit. Et il me manque beaucoup. Désolé pour le retard. Fermez la porte, s'il vous plaît. Un ennui perso m'a maintenu en deçà de ma courbe de puissance. Ce qui veut dire quoi, mademoiselle Cochon ? Que vous étiez en sous-régime moteur ? En effet. Et ça a eu quoi comme impact ? Monsieur Brennan ? Eh bien, une consommation beaucoup trop élevée, puisque le seuil d'équilibre n'a pas été atteint. Exactement. N'oubliez pas, plus on va doucement, plus on a besoin de puissance. C'est mal. Une règle qui se vérifie systématiquement dès qu'on parlemente avec des ados pour les envoyer au lycée. Bien. Allez ouvrir. Donc, la dernière fois, je vous énonçais... Je voudrais voir le commandant Banville. Je reviens tout de suite. De la part du général Lindford. Il exige une réponse immédiate. Dites-lui que je viendrai. Bien, monsieur. Comment ça s'est passé en cours ? Ça a été. T'as dû te présenter ? Oui, et personne connaissait l'Ouganda. C'est pareil dans ma classe. Oh, c'est qui cette jolie brune qui te regarde ? Une fille du cours d'informatique. Ravière, on doit retrouver Sally. Ravière, te fais pas remarquer. Toi, t'es pas du coin. Je peux savoir ce qui te fait dire ça? Il faut déjà avoir une mentalité un peu à part pour s'intéresser au bénévolat. Ici, les gens sont plutôt conventionnels. Donc... C'est vrai que ça se tient. T'as raison, je suis nouvelle. Cool. Moi, c'est Noah. Bonjour, Jordan. Planète bleue ? C'est la sauce où mes parents travaillaient. Sérieux ? On était dans l'humanitaire. Ah ouais, carrément, où ça ? En Ouganda. Ah ouais, la perle de l'Afrique. Tu y es allé ? J'avoue, je suis qu'un no-life passionné de géographie. Je suis jamais allé nulle part, mais les capitales, l'économie, les langues parlées, je suis incollable. Je trouve ça cool. Renvoie le ballon ! S'il te plaît, je veux bien le renvoyer ! Vas-y, t'es juste à côté ! Donc, tu t'inscris, et tu pourras me raconter comment ça marche dans la vraie vie. Pourquoi t'as envie de savoir ? Approche. Je veux savoir, parce qu'un jour j'irai. Tu le connais, ce garçon ? Non, c'est la première fois que je le vois. C'est Ravière Solarte. Tu le connais ? C'est un de tes copains ? Non, c'est pas un copain, c'est... Les gars, écoutez, hey, on arrête. Il y a un problème, là. Dites, il n'y a que moi qui trouve que ça sonne pas aujourd'hui et qu'on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. En tout cas, moi... Je sais pas, il y a un truc qui cloche. Si ça se trouve, c'est moi. Ou la chanson. Non, elle vous plaît pas ? Dites-le si Sally. Ça vous plaît pas. Quoi ? Tout roule. Désolée, c'est vrai, ça roule, mais j'ai...
Je suis ailleurs. Je sais pas ce qu'il y a, j'ai l'impression d'avoir oublié un truc. Oh, les enfants! J'ai oublié les enfants. Il faut que j'y aille. Il faut que j'aille chercher les enfants. Enfants? Mais quels enfants? Ceux qu'elle a récupérés, t'es pas au courant? Ah non, je savais pas. Mais je te félicite. J'y vais. Continuez sans moi. Salut. Ça vous dirait un jeu de voiture sur la console? Ouais, cool, ouais, super. Bonne idée. Allez. Votre maman vient d'appeler pour prévenir qu'elle sera un peu en retard. C'est Tante Sally, c'est pas notre maman. Oh oui, c'est vrai, je me suis trompée. Mais j'aimerais que vous l'attendiez ici, que je puisse vous surveiller. Et Caleb, tu t'occupes de ta petite sœur, d'accord? Je ne suis pas petite. Si, t'es minuscule. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Maintenant, je suis grande. Tu triches. Tu crois que maintenant, t'es une grande? Mais oui, je te l'ai déjà dit. Parce que si tu veux... Il y a un secret que je peux te raconter. Le genre de choses qu'on dit seulement aux grands parce que c'est triste. Tu veux que je te dise? Papa et maman ne reviendront jamais parce qu'ils sont morts tous les deux et dans un accident d'avion. Et qu'on t'avait croire qu'ils reviendront alors qu'ils reviendront jamais. Viens là. Laissez-moi tranquille, lâchez-moi, lâchez-moi, lâchez-moi. Laissez-moi tranquille. Sangli. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Calme-toi, mon cœur. Dis-moi ce qu'il y a. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas, Sangli? Dis-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Caleb lui a dit pour l'accident d'avion. Je lui ai raconté. Je lui ai dit qu'on ne verrait plus jamais nos parents. Endormie. Comment c'était à l'école? Je trouve que les jeunes d'ici sont bizarres. Bizarres comment? Disons qu'ils sont différents. Tu ne les aimes pas? Si, mais je trouve qu'ils sont parfois trop superficiels. Pas tous, mais la majorité. Jordan, tu veux pas manger quelque chose? Je te sers un bol de céréales et un peu de lait et on peut s'asseoir discuter ou... Non merci, je préfère aller me coucher. Je suis fatiguée. Bonne nuit. Bonne nuit à toi aussi. Ah, attention, j'arrive. Je vais vous rattraper, les garçons. Je serre bien mon virage. Oh. Vous m'avez encore battu. Bon, allez, c'est l'heure des braves. Tout le monde au lit. Allez vous brosser les dents. Dites-moi, les gars. Les garçons. C'est moi qui ai touché à ton ordi, pas Caleb. C'est uniquement moi que tu devrais punir. Tu peux te servir de mon ordinateur si tu veux. Mais, qu'est-ce que tu dois faire avant? Demander la permission. Exactement. C'est bon, les gars, c'est clair? C'est clair, oncle Jason. Dis, t'arrives à dormir? Non, j'ai les yeux grands ouverts. Je vais jamais tenir le coup. Allez, dis-toi que c'est pas pour longtemps. Non, mais là, c'est au-dessus de mes forces. Je dois avoir un gène parental qui est défaillant, ou alors... une anomalie au niveau de l'instinct maternel. Tu sais que c'est faux. Tu as beaucoup d'amour en toi. Parce que tu crois que ça suffit? Il leur faut plus que ça. Hé, ces enfants sont traumatisés. Ça se voit peut-être pas pour l'instant, mais à mon avis, il faudra bien qu'ils l'expriment d'une manière ou d'une autre. Et comment on fera pour les apaiser? Pour gérer ces douleurs? On verra ça le moment venu. Tous les deux. Mmh.
vie dure là-bas, je le sais. Mais vous êtes né pour voler, c'est comme ça, vous l'avez dans les tripes. Les choses ont beaucoup changé depuis ce temps-là. Vous en êtes vraiment sûr? Oui, sûr et certain. Dans ce cas, vous devriez aisément résister à la tentation, n'est-ce pas? Je vous en prie, asseyez-vous. Bien. Que diriez-vous si je vous proposais de retourner dans un cockpit? Si j'ai arrêté, c'est qu'il y a une raison. Comme vous l'avez dit, c'était il y a longtemps. Et notre équipe de concepteurs veut collaborer avec vous. Vous pourriez tester vous-même vos prototypes. Et vous savez que l'armée cherche à développer le F-35. Le nouvel avion de chasse de Lockheed Martin. Une merveille à la pointe de la technologie. En effet, oui. Que l'on pourrait encore faire progresser. Exact, vous avez raison. Évidemment, vous seriez plus souvent en déplacement. Et vous devrez passer quelque temps sur la base de l'Anglie. Sally risque de vous en vouloir, mais vous pourrez sûrement trouver un terrain d'entente. Vous me laissez un peu de temps pour y réfléchir. Bien sûr. Parlez-en avec Sally, mais prévenez-moi dès que votre décision est prise. D'ailleurs, à propos, je l'ai aperçue dans les tribunes à la cérémonie. Sacré personnage. Et elle a le caractère qui va avec. Attendez, avant que vous partiez, il y a deux ou trois de vos anciens copains qui aimeraient vous voir. Jenny. Oh. Hey. Bobby Mac 3. Ça va, Jay? Alors, espèce de cinglé. Bagels, Westcape, Freddy. Oh, regarde-moi ça, ce que t'es classe. T'as toujours ta vieille caisse? Bien sûr que oui. Et toi, tu fais toujours des courses de stock-car? Chaque fois que j'ai le temps. Vous remarquez qu'on n'essaie pas du tout de vous convaincre de revenir? Non, du tout, non. Je m'en rends compte. Il cherche quelqu'un pour remplacer l'un des groupes sur la tournée en Californie et tu es... Oh, vas-y, mon chouchou. Et je suis quoi? C'est bien, je sais que le popo de Charlie est très important, mais voilà, je suis quoi? Oui. Je suis quoi, bon sang? Tu vas me rendre dingue. Et tu es choisi pour faire la tournée. Ils sont prêts à nous faire une offre. Ça t'intéresse ou pas? Écoute, moi, je suis à fond. Au Milwaukee, on s'est éclaté. Et je me sens prête, donc c'est OK. Oh, c'est un grand garçon. Waouh. Charlie, mais qu'est-ce que tu fais? C'est sûr? Je leur dis oui. Oui, c'est mon rêve. Bon, bah, OK. J'organise une réunion au Mocambo. Oui, le Big Boss sera peut-être là. Sous-entendu, il faut que je sorte le grand jeu. Oui, et que tu balances le côté rock'n'roll de Sally comme tu sais le faire. D'accord, une seconde. C'est qui? Oui, allô? Oh non, est-ce que ça va? Oui, non, je passe tout de suite. Je passe tout de suite la récupérer. Hé, attends, Sally! On s'appelle! Sally, où est-ce que tu vas? Oh, excusez-moi, vous pourriez me dire où est l'infirmerie, s'il vous plaît? Merci. Bonjour, Sally Danville, la directrice m'a appelée. Qu'est-ce qui s'est passé? Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Oui? Ce n'est qu'un mal d'oreille. Qu'est-ce que je dois faire? Du repos, deux gouttes dans l'oreille, toutes les 4 heures, et demain matin, ça devrait aller mieux. Deux gouttes dans l'oreille. Et voilà. Tu veux un raconte-moi avant de dormir? Bonne nuit. Désolée. Et d'abord, qu'est-ce que tu fais là? Je voulais jouer. C'était quoi ce boucan? Pardon, j'ai tout fait tomber. Ça arrive? J'ai pas fait exprès, tu veux bien me pardonner? Bien sûr. Je vais lui parler. Non, Jordan, sois gentil, laisse-moi gérer. C'est à moi de lui parler. Non. Mes instruments, ma maison, mon rôle. Tu remets tout en ordre. Tu t'intéresses à la musique? Dans mon pays, on en faisait tous les jours. Ça
devait être sympa. Encore désolée, tante Sammy. Non, mais c'est pas grave, t'as pas fait exprès. Et puis c'est bien d'être curieux. Il faut garder ça. C'est fini. Allez, on oublie, d'accord? Et si tu venais jouer avec mon groupe à la prochaine répète? C'est vrai? Je pourrais? Ouais, je peux organiser ça, ouais. J'ai vraiment honte de moi. C'est rien, je te dis, c'est déjà oublié. Allez, arrête. C'est pas pour la batterie que j'ai honte de moi. C'est pour ce que j'ai dit à ma petite sœur à propos des parents. Oh. Bon, assieds-toi. Écoute, Caleb, je sais que tu ne voulais pas lui faire de mal. T'as fait que lui dire la vérité. Et dire la vérité, c'est pas toujours quelque chose de facile. D'ailleurs, pour y arriver, il faut beaucoup de courage. Moi, je pense que c'est plutôt une qualité. Tu n'as pas à avoir honte de toi, d'accord? Ok? Tante Sally? Oui? J'aime bien vivre ici, dans cette maison, avec toi et oncle Jason. Salut, bel enfant aux yeux doux. Désolé pour le retard. J'ai croisé Bobby Everby à la base, tu te rappelles? Il faisait partie de l'escadre. Il était pilote de NASCAR avant de s'enrôler. T'étais à la base alors? Ouais, j'ai vu le général Linford, je t'en parlerai plus tard. Et toi, ta journée? Non, du pur bonheur. Non, pas vraiment, non. Je vois, ça a été compliqué, on dirait. Ouais, ça aurait été... plus simple si tu avais été là. Très bien, vas-y, raconte. Les détails importent peu. Ce qu'il y a, c'est que les enfants commencent à s'attacher à nous et les responsabilités s'accumulent et puis le temps file. On ne retrouvera jamais nos vies d'avant si on ne fait pas bouger les choses. Tu as parlé à Dorothy? Alors? Ouais, fais les pattes. C'est bien fait. Non, pas le ballon. Merci. Merci. Merci infiniment. Alors? Alors quoi? Je sais pas trop, j'éprouve un sentiment bizarre. Ouais. Je veux dire, t'as raison, c'est la meilleure chose à faire. Ce sont des gens formidables. Une famille formidable, ouais. Les meilleurs qui soient. Alors, qu'en pensez-vous? C'est la famille idéale. On pourra rendre visite aux enfants? Oui, sans problème, dans un créneau qui convienne à chacun. D'accord. Je vais remplir les papiers au plus vite et Caleb et Sung Lee pourront sûrement déménager en fin de semaine. Je vous demande pardon. Vous pouvez répéter. Oh, ne vous faites pas de soucis. J'ai trouvé une très bonne famille qui est prête à rencontrer Javier et Jordan. Ils ne résident pas en ville à proprement parler. Un instant, si j'ai bien compris, vous allez séparer les enfants. Je vous ai expliqué qu'il était difficile de trouver une famille disposée à adopter 4 enfants. Non, attendez. C'est hors de question. Ils ont besoin d'être tous ensemble, d'être au sein d'une seule et même famille. Madame Danville, c'est vous qui m'avez téléphoné pour me dire que les enfants avaient commencé à s'attacher à vous et à quel point cette situation est douloureuse à écoutez, gérer. Écoutez, il est essentiel que tout se passe bien et je n'ai pas suffisamment de temps à leur consacrer. Salut. Vraiment, écoute, Jason, on me propose de faire une tournée. Tu sais ce que ça signifie? Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Parce qu'on a perdu le contrôle, on contrôle plus nos vies. Et j'aimerais qu'on vive comme avant, qu'on retrouve nos habitudes. Sally et moi, nous devons discuter, excusez-nous. Oui, je vois ça. Alors tu vas partir en tournée? Clem a déniché un contrat avec mes musiciens. Ah. Je vois que t'es enthousiaste, ça fait plaisir. Non, c'est pas ça, seulement... Eh bien c'est quoi alors? Voilà, tu te souviens? Je t'ai dit que j'avais vu le général Linton. Je m'en souviens pas, non, j'avais la tête ailleurs. Il veut que je vole à nouveau. Je croyais que t'avais juré de plus piloter, que c'était fini tout ça. Ça ne se refuse pas, c'est un de mes rêves qui se réalise. Super. Donc ce que tu dis, c'est que l'un de nous doit rester à la maison avec ce les enfants. Ce n'est pas ce que je dis, je tiens seulement à mettre toutes les cartes ouais, sur la table. Ça. Tu tiens à tout mettre sur la table pour qu'on se rende compte que ton opportunité professionnelle supplante est de loin pas mon projet ça, voyons. Tu interprètes, Sally, j'ai jamais dit ça, seulement si on... Qu'est-ce veut... que t'as ouais, enfin, si on se place sur un plan strictement financier, c'est pas faux. C'est pas faux.
Et si j'avais, je sais pas moi, une petite chance de percer, ça t'a pas effleuré l'esprit que je puisse percer? On ne va pas s'énerver après à cause tout de ce ça. Que j'ai fait. Ne t'énerve pas. Je ne suis pas énervée, Jason. C'est juste que je cherche comment concilier ma vie avec le mari que j'aime, une carrière qui me passionne à fond, et ces quatre enfants dont je me sens désormais responsable. Je t'aime aussi. Ça se prononce Ouganda. Ah, Ouganda, d'accord. C'est bon à savoir. Cela dit, je ne suis pas sûre d'y aller avant longtemps. Tu devrais le visiter. C'est le plus beau pays d'Afrique. Ça te manque de ne plus vivre là-bas? C'est mes amis qui me manquent. Ben, tu sais quoi? J'ai une bonne nouvelle. Waouh, il est trop ce parking. Elles sont à qui, toutes ces voitures? Aux élèves? C'est quelle marque, celle-là? On se bouge, les garçons! Allez plus haut les genoux, Jackson! Monsieur Tamblyn, je vous présente Javier Solarte. Ah ah! Le garçon au pied d'or. C'est bien ça, non? Ravi de te connaître. Sois le bienvenu, fiston. Moi, c'est Tamblyn. J'entraîne l'équipe de football du lycée. C'est un honneur de vous rencontrer. À ce qu'il paraît, le football, ça te connaît. T'aimes ça, le ballon? Oui, monsieur. J'adore jouer au football. J'adore ça, hein? Tu veux que je te dise? Ça m'est égal. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si tu as du talent. Mikowski! Danny, lance-lui le ballon, on voit comment il se débrouille. Javier est footballeur. Et il est dans quelle équipe? Non, je rigole. Vas-y, à toi de jouer. Il a un style très européen, mais on pourra faire avec. Il a du potentiel. Et Tabri a joué sur quelle planète? Il est naze. Ne les écoute pas, fiston. Javier, tu m'as fait marcher. J'ai voulu te rendre service. Ah ouais? T'appelles ça me rendre service? Je me suis ridiculisé. Mais tu sais quoi? Je vis pas sur une autre planète. Je suis pas déconnecté. Et je suis pas idiot non plus. Je sais bien que c'était pas un ballon de foot. Non, je te jure, tu leur as montré de quoi t'étais capable. Tu les as impressionnés. En attendant, ils ont bien ri. Tu sais bien comment sont les garçons. Comment ils réagissent. Javier, si tu penses que je t'ai fait marcher, je suis désolée. Regarde-moi. Non, sérieux, Javier, regarde-moi. Je ne ferai jamais une chose pareille. Jamais. D'accord? D'accord? Allez, viens. On s'en va. Il a un truc de fou. Il a des électrodes dans le crâne. Et il est contrôlé par un ordinateur. Le diamètre de son crâne est plus de 30 cm. Je te jure. Normal. Jordan. Salut, Sally. Où est Javier? Oh, il est parti se balader avec une fille aux cheveux bleus, mais il sera là pour le dîner. Oh, je te présente, Noah. Noah Rorda. Bonjour, madame Danville, ça va? Très bien, merci, Noah. Ravie de te connaître. Moi aussi, j'ai écouté votre musique, c'est top. La guitare acoustique, j'adore, je suis fan. Merci. Continuez comme ça. Merci, c'est gentil. Bye. Bon, on y va. Les jeunes filles, en rang. Il m'avait promis de rentrer. Je vais le tuer. D'habitude, il me raconte pas de crack. C'est mal de tuer les gens. Merci, Caleb. Je m'en souviendrai. J'espère bien, oui. Stop, les enfants. On se fend d'un joli sourire. On respire à fond. Dis-moi, est-ce que tu sais faire ça? Alors? Et ne fais pas semblant de ne pas être impressionné. Regardez ce qui va suivre. Allô? Ok, très bien. D'accord, oui, j'ai compris. Calme-toi. La police? Oui, qu'est-ce que... Très bien. Dis-leur qu'on arrive tout de suite, d'accord? Super. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas génial du tout. Jordan! Jordan, attends! Il s'agit de mon frère. C'est à moi d'y aller. Pourquoi tu veux pas? Parce qu'il faut que tu restes ici surveiller Caleb et Sungli. C'est ma famille, pas la tienne. Mais nous sommes responsables de Javier. Tu connais mon frère mieux que moi, peut-être? Jordan, je n'ai pas dit ça. Ce que j'ai dit, c'est que je te confiais la maison et que je te chargeais de veiller sur ton frère et ta sœur. Veux-tu me rendre ce service, s'il te plaît?
On va très bien s'en sortir. Ça va s'arranger. Tu verras. Nous sommes responsables de Javier Solarte. Bien, on finit de remplir les papiers et vous pourrez le ramener à la maison, ok? Excusez-moi, attendez, je m'appelle Christine. J'étais avec Javier. Les autres ont dit que c'est Javier qui a commencé, mais c'est faux. Ils se sont moqués de sa façon de jouer au foot. C'est juste qu'ils sont jaloux parce qu'il est doué avec un ballon. Et parmi eux, c'est Danny qui lui en veut le plus. Qui c'est, Danny? Il est quarterback. Il se sent menacé parce que l'entraîneur a été impressionné par Javier. L'entraîneur de foot? Oui, il voudrait bien prendre Javier dans son équipe. Jamais je jouerai avec eux. Faut jamais dire jamais. Tu comprends ce que je dis? Je comprends. Bien, monte dans la voiture. Merci. De rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Rassure-toi, tout va bien, Jordan. C'est tu pas grave. Blessé? Non, c'est pas mon sang. Allez, enlève ça que je le lave. Jordan, je vais le faire si ça t'embête pas. Jason, tiens, regarde. Je vais te montrer quelque chose. Tiens, c'est là, Jordan Solarte. Sa date de naissance, elle va avoir 16 ans. Elle va avoir 16 ans. C'est super important. Je vais lui organiser une fête. Et tu sais quoi? Je vais gagner son affection. Même si pour ça, je dois sortir comme un diable de son gâteau. Ce que je veux savoir, c'est si tu comptes participer ou si tu seras parti piloter un de ces avions à réaction. Écoute, si j'accepte ce job, il se peut que je ne sois pas souvent là. Si c'est le cas, eh bien, je reviendrai le week-end pour compenser. Le week-end, oh super. Et en attendant, moi, je mets ma vie sur pause. Sally, ça va s'arranger. Dorothy trouvera une famille pour les enfants et nous, on reprendra nos vieilles habitudes, d'accord? Je t'avouerai que je ne connais pas les préceptes de l'éducation, mais je connais ces enfants et je peux dire qu'ils ont besoin d'un modèle masculin, d'une figure paternelle, surtout les deux garçons. Quelqu'un doit leur montrer comment faire, comment agir en homme. Mmh. Là, maintenant. D'accord. D'accord, pourquoi? D'accord. Va pour agir en homme. Bobby, ça roule? Ah, tiens, la citadin. Hé, hey, Jeff! Les jeunes, c'est Jeff Burton. Jeff, il y a un peu là que je te présente des amis. Bonjour. Alors, ça va les gars? Super, et vous? Enchanté. Je devais être Jason Danville. Mais, content de faire votre connaissance. De même, les gars. Vous savez quoi? Ce gars-là, c'est un vrai héros. Il pilote des voitures de course. Je suis aussi père de famille, ce qui me déplaît pas non plus. Il a remporté 21 courses haut la main. Je dis pas, mais j'ai eu beaucoup de chance. Ça aide. Ah, c'est sûr. Fais voir ce que t'as de beau. Casquette. Tenez, cadeau les enfants, j'espère que vous appréciez Merci. La visite. Merci. Amusez-vous bien. Salut, hein, les gars. On passe, les petits gars. Il est à fond dans le virage. T'as vu comment il lui est passé devant? C'est bon quand? Heureusement que t'as ton casque. Oh, voilà. Bonjour. Je cherche un gâteau. De cette taille-là, oui, gros comme ça, et de forme rectangulaire. Vous en avez en rayon? Merci. Et si vous prenez des serpentins et des ballons? Un joli zèbre, on dirait. Zèbre, zèbre, mange.
mange ta bouillie, zèbre, zèbre. Il faut guérir. On va rentrer. T'es fatiguée? Quand j'étais petite, ma maîtresse d'école m'avait demandé d'écrire une histoire, l'histoire d'un personnage imaginaire qui s'appelait Roxy la coiffeuse de minuit. Cette drôle de coiffeuse se montrait seulement la nuit. Elle venait se poser sur nos têtes, exécuter une danse et le matin, on se réveillait avec une nouvelle coupe de cheveux. Elle t'a plu, cette histoire? Super, et maintenant tu vas dormir? D'accord. Il veut aussi un bisou? Non! Tricheur! Tu ne joues pas aussi bien que ça. Tu vas regretter ces paroles plus vite que tu ne le crois. Quand les forces aériennes entrent en jeu, l'offensive est le maître mot. La vache stupide conduit son veau au bord de la route. La paix par la force, la victoire au prix de la destruction. Si la verte grenouille saute en plein jour, c'est qu'elle a une excellente raison de le faire. Wow! Ça signifie quoi, au juste? Aucune idée. D'accord, je veux bien admettre que tu n'es peut-être pas si novice que ça. J'y jouais tous les soirs, avec mon père. Il était fort, très fort, et beaucoup plus rapide que moi. Oh, et qu'est-ce que tu faisais d'autre avec lui? Oh, ce que je faisais... des tas de trucs. Quel genre de trucs? On partait souvent en randonnée. Il me faisait découvrir des plantes, m'apprenait leur nom et... il m'enseignait des tas de choses. Par exemple? De quelle façon il faut manger les sauterelles, ce qui n'est pas évident. Ou comment faire marcher un âne à reculons en lui piquant la queue avec une épine. Ou encore... Excuse-moi, Jason. Excuse-moi. J'ai l'impression que c'était un homme extraordinaire. Et je suis sûre que c'était aussi un père formidable. Oui, c'est vrai. Bonne nuit. Bonne nuit, Jordan. Bonjour. Entrez. Désolée de vous rendre visite aussitôt. Bonjour, Dorothy. Bonjour. Et ça ne pouvait pas attendre. Où sont les enfants? Ils prennent leur petit déjeuner. Très bien, je ne vais pas tergiverser. À propos de quoi? Les services de placement familial ont des règles strictes concernant la tutelle et les familles d'accueil. Et nous prenons particulièrement à cœur nos responsabilités. Oui, nous le savons. Les enfants ne sont manifestement pas votre tasse de thé, comme vous dites. Ça, je peux le comprendre. Ravière a participé à une bagarre et je viens de lire en détail le rapport de police qui relate les faits. Un nouvel incident de ce genre et nos services n'hésiteront pas à vous retirer définitivement la garde des enfants. Excusez ma visite matinale, mais je préférais vous le dire. Ne fais pas attention à ce qu'elle dit. On s'en sort très bien. Tu crois ça? Bonjour. Ravi de vous connaître. Content de te revoir. Danny, viens un peu là. Allez, faites la paix. Serre-lui la main. Tessie, va chercher le maillot. Javier, ça c'est ton uniforme. Porte-le avec fierté. Alors t'aimes la musique, Caleb? J'aime jouer des percussions. Mon prof, il m'a dit que le son du tambour, c'est comme un cœur qui bat.
Mais pour moi, je dirais qu'il est magique. Chaque fois que j'entends ce son, j'oublie tous les malheurs du passé. Tu veux que je te dise, c'est le genre de musique qui me fait triper. On attaque en la majeur, ok? J'enchaîne sur un sol. Essayez de penser à Stevie. Prêt? Allez, on y va. 1, 2, 3, 4! T'es venu avec des gamins. Oui, je te présente Soumli et Caleb. Ma grande, écoute, les enfants ne peuvent pas rentrer ici. Calme, Clé, détends-toi, on fait juste la balance. L'établissement est fermé, ça craint rien. Mais ça jette personne. Il a raison. Si, si, justement, ça va pas le faire, les gars. Devinez qui est là. Itzy Popik, le mec qui a fait la couve de Billboard, le patron de Fillmore West Clé, avant de... Clé, je sais qu'il... Itzy Popik, c'est un poids lourd. T'as entendu? Clé, tu vas les conduire en salle de répète, ils ne feront pas de bruit, promis. Les enfants, vous serez sages. Mm-hmm. Ça marche? Ça marche. Bon, allons-y. T'abandonnes tes gosses, c'est tout merindis. Alors on se lance, les gars. Ouais, on y va. Les enfants, vous avez entendu Sally. Alors vous faites ce qu'elle a dit, d'accord? Vous posez votre... Vous restez assis sur ce divan confortable, vous en décollez pas et vous ne faites aucun bruit, c'est clair? Pour me montrer que vous avez bien compris, vous hochez la tête. Bien, c'est génial. On a battu, maintenant, on voit. Encore une fois. Hé, toi! Qui gère les effets de scène? Laisse tomber le fumigène. On fait la balance, que j'y deux secondes. Tiens, c'est lui là-bas. C'est Itzy. Ok, la batterie, c'est bon, on va le couper juste à nos gorilles. Ok, ça va, je suis prête. Tu donnes à Itzy un petit avant-goût de ton talent, une petite miette. Alors, c'est une audition? Non, non, vous êtes engagé, mais il se charge de la programmation. Et vu qu'il a de l'influence, ça vaut le coup. Ouais, bien sûr. Tu me le présentes? Oui, c'est Noah. Noah Rorda. Bonjour, enchanté, monsieur Danville. Alors, c'est toi, Noah? Oui, c'est moi. Javier, recule. Trois vers l'arrière et une. Danny? Bon, ça va être à toi. Pas, regarde-moi. Allez! Bravo. Elle est où, Sally? Où elle est, Sally? Chut! Ça représente un boulot énorme. Vous avez joué à la vitesse et tout bénéfice. Vous êtes tous dans les starting blocks. Oui. Je vous interromps deux secondes. Les gamins, là, ils sont à toi. Ah. Ouais. Ouais, ils sont à moi. Je veux pas de gamins sur les concerts que j'organise, c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Je me trompe ou l'établissement est fermé? C'est pas le problème, c'est moi qui organise, j'impose mes règles. Tu les fais sortir d'ici ou vous montez pas sur scène. Ah, tu sais quoi, Sally, je vais les emmener manger une glace au chocolat à la vanille. Clé, laisse tomber, tu veux. Ça m'était sorti de la tête, mais j'ai un autre concert. Oui, un cachet. Je suis pas au courant. Nettement plus avantageux que ça. Attends, qu'est-ce que tu vas? Attends, les enfants, en route. Peut-être notre mot à dire, non? Si tu t'en vas, Sally, tout tombe à l'eau. Pourquoi tu fais ça? Changement de programme. Je suis partie.
avez l'air de vous débrouiller comme des chefs, tous les deux. Tante Sally, je te montre ce que ma sœur et moi, on a appris à l'école. Oui, montrez-moi. Waouh, super impressionnant. À moi maintenant. À mon Attention, tour. Ils arrivent. Vite, cachez-vous. Sous la table. Baissez-vous. Je peux pas te dire. C'était bizarre, c'est tout. Pourquoi ils ont tendu un drap? Surprise! Oh non. Qu'est-ce qu'il y a? Ce qu'il y a? Oh rien, c'est génial, vraiment. C'est trop, vous n'auriez pas dû vous donner tout ce mal. On s'est pas donné du mal, on s'est amusé. Waouh, ça c'est une vraie fête d'anniversaire. Je vais déposer mon sac dans la chambre, excusez-moi. Jordan, j'ai pas envie d'en parler. Est-ce que je peux entrer? Jordan. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi t'as organisé une fête? Tu viens d'avoir 16 ans. C'est pas rien, 16 ans. Je trouvais que c'était important de marquer l'occasion. Non, ça n'est plus important. Jordan, si je t'ai fait de la peine, je suis vraiment désolée. Mais je ne comprends pas ta réaction. Ça n'a aucune importance. Si, ça a de l'importance. Ça en a pour moi. C'est à cause de tes parents. Oui. Tu peux te confier à moi. Tu crois? Tu crois que je peux te le dire? Ouais. Ma mère et moi, on s'était dit que... on avait un projet. On était très souvent toutes les deux parce que... on s'impliquait auprès des villageois. On venait leur livrer... des vivres et des médicaments, des choses essentielles et... avec maman, on n'avait jamais de temps pour nous. Alors on avait fait ce projet. Je lui avais dit que pour mes 16 ans, je n'avais envie que d'une seule chose. Et que pour moi, ce serait le cadeau le plus précieux qui soit. Ce dont je rêvais, c'était d'une journée seule avec elle. Je voulais pas de fête d'anniversaire, je voulais juste... qu'on s'accorde un peu de temps. Seulement... je comprends que cette fête était malvenue. J'aurais préféré ne pas avoir 16 ans. Je voudrais qu'on me rende ma mère et mon père. Javier shooté dans le ballon aujourd'hui. Ce garçon est incroyable. Ouais. Mais comment? Il est vraiment incroyable. Oh, et Jordan. Elle fait marcher les ânes à reculons. Avoue qu'il faut être doué. Tu sais quoi? Je suis pas étonnée. Jason? J'ai bien réfléchi. Oui, moi aussi. Je ne sais pas, c'est drôle.
Mais il s'est passé une chose. Une chose à laquelle, très franchement, je ne m'attendais pas. En fait, ces enfants... Tu vois ce que je veux dire? Projeté loin de là. Loin seulement. De là, seulement. Il faut se rendre à l'évidence. Je sais. Je sais que ça exigera un grand nombre de sacrifices. De sacrifices. Aussi bien pour toi que pour moi. Je sais. Mais ça en vaut la peine, non? Tu penses qu'on va... Téléphoner à Dorothy. Bienvenue dans le monde des parents. L'ultime frontière. Qu'est-ce qui nous arrive? Aucune idée. Comment ça va, Sally? Je peux te parler? Bien sûr. J'ai de nouvelles compositions dont je suis plutôt fière. Non, c'est super. Je suis content pour toi. Non, écoute. Tu sais quoi? J'ai besoin d'une grande salle. Plus grande que toutes celles où j'ai joué. Ben alors, bonne chance. Écoute, Clay. Qu'est-ce que tu veux, Sally? Je m'excuse. Tu as tout saboté. C'est vrai, je t'ai lâché. C'était pas cool, je suis désolée. Clay, s'il te plaît. S'il te plaît, quoi? T'es le seul à pouvoir arranger ça pour moi. S'il te plaît. Allô? Vous avez un nouveau message. Monsieur et Madame Danville, j'ai une bonne nouvelle. Et nous avons trouvé la famille idéale pour accueillir les 4 enfants. La transition aura lieu ce week-end. Il faut que je te voie tout de suite, Christine. J'ai besoin de te parler. Je dois raccrocher. Berceau de 2 trucs super importants. Les frères Wright y ont réalisé le premier vol motorisé de l'histoire de l'aviation. Et End on Sloopy est devenue la chanson rock officielle de l'État de l'Ohio. Tu me trouves pas un peu nerveux? Non, pas du tout. T'es sûr? Oh, tiens, voilà toute la famille. Salut, Caleb. Salut, Noah. Bonsoir, Madame Danville. Bonsoir, Noah. Ça fait tard, tu crois pas? Oui, j'allais rentrer, justement. Est-ce que tu vas embrasser ma grande sœur? Je sais pas trop. Est-ce que t'as peur? Ben, plutôt oui.
Bonne nuit. Bonne nuit. Oh. Wow. Quelle journée. Tu as parlé à Dorothy? Non, j'ai laissé un message à son bureau et ils ont dit qu'elle nous rappellerait. T'as pas changé d'avis entre-temps? J'ai pas changé d'avis. T'as bien réfléchi, toi aussi? Est-ce que tu crois possible de renoncer à ton rêve le plus cher? Eh bien, je me souviens, quand Buster a fait faillite, j'ai dû travailler pour subvenir à nos besoins. Je continuerai, c'est juste que nos besoins seront plus élevés. Et que je nourrirai des rêves encore plus grands. Tante Sally, oncle Jason, il y a un problème. Javier n'est pas à la maison. Je l'ai cherché partout. Alors? Alors, rien. Aucune trace. Je vais regarder derrière, dans le jardin. Non, attends. On a prévenu toutes les patrouilles. C'est une question de temps. Bien, c'est rassurant. Merci. Vous avez eu le bon réflexe en venant ici. Si tous les parents pouvaient avoir votre présence d'esprit... Oui, merci. Faites le nécessaire. Ils ont retrouvé le gosse. Il est aux urgences. Vous restez avec lui? D'accord. Nous l'avons retrouvé. Il est à l'hôpital Royal Malcolm, au service des urgences. Bonjour, nous cherchons Javier Solarte. Vous êtes de la famille? Oui, oui, enfin... Oui, en quelque sorte. Il est sous notre responsabilité. Ah, vous êtes là. Est-ce que je peux vous parler une minute? Qu'est-ce qui est bien arrivé? Bien sûr, comment... Ne vous inquiétez pas, ça va, il va bien. Quelques coupures, mais rien de cassé. Tant mieux. C'est votre voiture qui est en mauvais état. Il a dérapé dans un jardin. Ça c'est pas important, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Excusez-moi. Est-ce que les enfants pourraient voir leur frère, Javier Solarte? Oui, mais pas longtemps. Il est juste là. Allez-y, les enfants. Alors, Christine? Tu vas bien? Ça va. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un message sur votre répondeur. Il a appris qu'on allait les confier à une autre famille. Et alors... Tu peux tout nous oui, dire. Oui, dis-nous, Christine, on t'écoute. Il pensait que vous teniez un peu plus que ça à lui. Monsieur et Madame Danville. Oh, bonjour. Alors, comment va Javier? Ça va. Ça va, oui, ça va. Oh, Dieu merci. Vous nous avez laissé un message? Oui, vous ne l'avez pas écouté. Nous avons enfin mis la main sur la famille idéale pour les enfants. Elle va les accueillir tous les quatre ce week-end. Non, on n'a pas eu votre message, mais visiblement Javier l'a reçu. Oh, je vois. Dorothy, nous sommes heureux de vous annoncer qu'on n'a plus besoin de famille d'accueil. Oui, nous avons décidé de les adopter officiellement tous les quatre. Je crains que ce ne soit plus possible. Pourquoi ce ne serait plus possible? Vous nous avez supplié de les prendre et maintenant qu'on en exprime le désir, qu'on est prêt? Oui, mais ça, c'était avant. C'était avant quoi? J'avais mis les choses au point suite au premier incident. Je vous avais prévenu, ce n'étaient pas des paroles en l'air. Écoutez, Javier était en colère et il ignorait... Madame Danville, nous ne pouvons pas tolérer ça. Tolérer quoi? Oui, désormais, c'est différent. On est devenus une famille et nous aimons ces quatre enfants. On veut les adopter officiellement. Ce n'est pas la question. Nous ne pouvons pas prendre de risques et il s'avère que vous en représentez un. Allons, non, ne dites pas faux. Ça. On ne s'improvise pas par an comme ça. C'est une question de pratique. On ne peut pas éviter les erreurs. Et fatalement, parfois, on se plante. Ah oui, et on peut dire que vous en avez fait des erreurs. À l'évidence, je ne peux pas retenir votre demande. Et si vous ne renoncez pas, nous réglerons l'affaire devant un tribunal. Non, Dorothy, écoutez. Quand les enfants sont arrivés, nous étions préoccupés par toutes les répercussions que ça allait avoir sur notre quotidien, à commencer par notre carrière et notre vie de couple. Mais ces enfants ont tout changé. Et ils nous ont fait emprunter un chemin différent. Ils nous ont forcés à voir au-delà de nos intérêts personnels. Oui, en fait, on s'est rendu compte que nous avions envie de donner aux enfants au lieu de penser uniquement à nous. Malgré vos bonnes intentions, rien ne prouve que vous puissiez assumer une telle responsabilité. On se sent à la hauteur. Les enfants seront pris en charge provisoirement par le service de placement familial. Non, dans l'attente d'une adoption. C'est tout à fait Allons, inutile. Vous ne pouvez pas faire C'est ça. Avant vous ça. Ne pouvez pas faire ça. Bonjour, Jordan. Ma mère et mon père m'ont appris à dire ce que je pense. C'est très bien, Jordan. C'est une excellente chose. Vous croyez savoir ce qui nous convient, mais vous avez tort. Vous ne savez pas tous les efforts que Sally et Jason ont fait pour être des parents dignes de ce nom. Au début, c'est vrai que c'était par obligation. On le sentait bien.
Mais maintenant, c'est différent. Javier n'a pas agi comme ça parce que ce sont de mauvais parents. Il a fait cette bêtise parce que... parce qu'il les aime. Il était bouleversé par le message et il a cru que eux ne l'aimaient pas. Mais on sait tous que ce n'est pas vrai. Nous aussi, on les aime fort. Alors vous pouvez aller en justice si vous voulez, mais nous, on veut rester avec eux. Je te remercie d'avoir exprimé ton opinion. Non, attendez, s'il vous plaît. Ce n'est pas un hasard si Sally figurait sur cette liste. Ma mère avait confiance en elle, au point de lui confier ses trésors les plus chers. Alors, par respect pour elle, par respect pour mes parents, vous voulez bien revenir sur votre décision au lieu d'agir à l'inverse de leurs souhaits. Vous savez à quel point le service de placement familial est soucieux du bien-être des enfants parce que c'est ce qui compte le plus à nos yeux. Dorothy, nous savons... J'ai écouté que... Jordan. Quand je regarde la mine qu'ils ont tous, j'avoue ne plus avoir aucun doute. Je n'envisage pas confier ces enfants à une famille plus capable et plus aimante que la vôtre. L'affaire est donc entendue. Oh, merci. Viens là, ma puce. Elle est bien heureuse. Vous allez dans la voiture. C'est que de la tôle froissée, madame. Je ne pas. Les danseuses sont vraiment extraordinaires, vous avez raison de les applaudir. Je vois dans le public des visages familiers. Si je viens ici chaque année, si vous venez ici chaque année, c'est pour la même raison, célébrer des hommes et des femmes venus du monde entier, c'est bien ça? Ce festival tient à coup sûr une place très spéciale dans mon cœur. Nous allons dans un moment recevoir une artiste qui a rejoint notre affiche sur le tard, mais vous allez l'adorer, c'est certain. Mesdames et messieurs, à vous de jouer, applaudissez de toutes vos forces. Sally Danville et Plain Truth. Merci infiniment, je suis très heureuse d'être parmi vous. Je tiens à remercier Randy Jackson, ainsi que mon manager, Clay. Et tout particulièrement mon mari, Jason. La chanson qui va suivre est une de mes dernières compositions. Je l'ai écrite pour ma famille. Waouh, oui, ma famille. Mais je crois qu'il est temps de vous l'interpréter. En espérant qu'elle vous plaira. We are standing.
out of groove to the beat of your drum. Turn up the stereo.